Je m'appelle encore les Alistin. Je viens de s'ouvrir. Enfin, parce que quand je venais au centre tenir de Divo, il y avait le pied enflé, je n'arrivais pas à marcher. Et je n'arrivais même pas à porter mes chaussures. Et quand je suis venu, le prophète a prié pour moi. Et aujourd'hui, ça va. En cette date de ce dimanche 26 septembre 2021, il est pratiquement 20h19 à Mamonto depuis la Guinée. Avec Dieu, la distance n'est pas une barrière. Cette dame a été envoûtée en sorcellerie et le pied n'est pas loin d'être amputé parce qu'elle est devenue déjà sous l'œil de la sorcellerie cancéreux. Alors, je prie par la puissance de Dieu, comme l'Éternel Hachem a toujours utilisé dans la délivrance des personnes, et comme il a encore le même, je parle à ce pied dans le nom de Jésus. Je commande à cet esprit, j'ordonne au sorcier de restituer son pied dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À cette date, je précise très bien, ce dimanche 26 septembre 2021, la puissance de Dieu s'empare de son pied et je détruis. Et les jours qui vont suivre, par la grâce de Dieu, les jours qui suivront, délivrance, elle recevra cette délivrance définitive. Elle aura l'usage de ses pieds pour marcher. Elle sera totalement délivrée afin de rendre gloire à notre Dieu. Seigneur, merci pour ce miracle puissant dans la vie de cette femme. Et je fais le retour à l'envoyer que toute cette conflérie liguée contre elle, au nom de Jésus, ces 8 personnes qui sont à la barre de ces personnes seront en même temps dévoilées. Pendant que je prie la puissance de Dieu, n'est-ce pas, entre dans le système de la sorcellerie et le pied qui a été bouffé en sorcellerie, Dieu sera restitué cette nuit-là même, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il aura un dégât énorme, voilà, dans leur confrérie. J'ai fait le retour à l'envoyeur. Merci pour la prière que tu viens exaucer. Merci, toi qui as été toujours avec moi et toi qui as toujours exaucé nos prières. Merci de délivrer cette sœur. Amen. Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Kolé Alissi. Kolé Alissi. Kolé Alissi. Asseyez-vous. Je continue de filmer après. Kolé Alissi, c'est ça? Oui, oui. Voilà. Alors, il y a au moins 8 personnes comme ça dans le système qui est contre toi. Alors, ce pied-là a été détruit. Voilà. Tu rendras témoignage d'ici 5 jours. Ça, c'est une chose faite. Ça va se stabiliser. Tu seras totalement guéri. Ça fait combien de temps que vous êtes malade? Vous avez ça combien de temps? Ça va 5 mois. Depuis cinq mois. Et comment ça se passe? Donc, quand on met le médicament dessus, ça finit, puis après ça revient, ça s'enfle, et puis ça me fait mal, ça fait les plaies. D'accord. Je vous informe que le processus est lancé, Jésus vous a délivré. Amen. Voilà, ta délivrance est déjà acquise. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Amen. J'arrive à marcher. Je peux voir le pied? Non, poussez-vous derrière. Comme ça, je pourrais voir. Ok. Alors, qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire avant? Je ne pouvais pas marcher. Je ne pouvais pas marcher et puis je ne pouvais pas faire mes activités. Et aujourd'hui, j'arrive à marcher. J'arrive à me laver. J'arrive à faire ce que je peux faire. Tu peux tendre comme ça ton pied, je vais voir. Rapprochez ça ici, voilà. Waouh. Les sorciers, maintenant, c'est comme ça, ils lancent les sorts maintenant. Hein. Ils ont commencé à manger poc au fou, pied de bœuf ou bien. Seigneur, merci pour ce miracle que tu parfais. Je te rends toute la gloire. Merci, que la gloire te revienne. Merci de bénir encore sa vie. Au nom de Jésus, le retour à l'envoyé a été déjà fait. Et Seigneur, ça a été prophétisé, déclaré que cette semaine-ci, elle devait se porter bien. Merci pour ce miracle. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Donc, Dieu te bénisse. Hein? Amen.